Docteur Bard, vous m'entendez? Je viens vous sortir de là. Ouvrez la porte! Voix non identifiée. Voix non identifiée? On est dans un film de SF ou quoi? Sésame, ouvre-toi. Voix non identifiée. Ici Nathaniel Bard. Ouvrez la porte, je vous prie. Voix non identifiée. Allez, laisse-moi entrer, saloperie. Voix non identifiée. Il faut sûrement que ce soit la voix d'une personne autorisée. Voix non identifiée. Excusez-moi, tout ce que je voulais savoir, c'est ce que ces documents faisaient dans votre bureau. Vous savez à qui vous parlez? Je suis Nathaniel Bard, bon sang! Le meilleur biologiste que vous rencontrerez dans votre misérable carrière d'infirmière à deux balles. Bien sûr que j'ai des relations haut placées. Évidemment que l'armée me consulte à propos de projets qui vous dépassent complètement. Alors me faites pas perdre mon temps avec vos questions indiscrètes. Je vous demande pardon, docteur. Vous n'avez pas lu les documents, n'est-ce pas? Non, je les ai détruits à votre demande. Bien. Bien. Si c'est tout, vous pouvez retourner torcher le cul de vos patients. C'est pour ça qu'on vous paie, non? Et astiquer mes chaussures. Bien, monsieur. Je suis sûr que vous êtes doué pour astiquer, non? Dégagez. Et dites pas un mot à qui que ce soit. Waouh! Quel enfoiré. Bard. Tyrell, Bard est mort. Il a été abattu. Merde! Et le vaccin? Je cherche. Ouais, bah trouve! Il doit y avoir un ordinateur, non? Ici le chef du VRC, Nathaniel Bard. 29 septembre, 23h. Je suis parfaitement conscient que mon temps est compté. Et j'espère qu'en faisant cet enregistrement et en révélant la vérité au grand jour, je pourrai rétablir mon honneur, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Le cauchemar de Raccoon City a commencé avec la libération d'une arme biologique appelée Virus T. Mon employeur, Umbrella Corporation, a conçu ce virus. Et ils ont ordonné à mon équipe de développer un vaccin, ce qu'on a fait. Je garde des échantillons de ce vaccin ici dans mon bureau, et le reste est stocké sous terre. Mais tous ces enfoirés qui sont aux commandes, ils veulent le détruire. Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils ont fait. Donc ils essaient d'effacer toute trace de l'existence du virus. Mais je suis pas stupide. Je sais qu'ils veulent pas que... Oh mon Dieu, Jill avait raison. Elle m'a quand même fait confiance. Tyrell, je l'ai. Bien joué, je te rejoins. Sois prudent. Prudent? Non mais, t'as vu l'état de la ville? Ce sera un putain de miracle si j'arrive en un seul morceau.